Last time, in Phoenix Wright, Trials and Tribulations, the sequel. Mais un peu... Un peu plus vieille. Ouais, on va essayer. Comme ça, oui. Ouais. Une autre approche de ça, en fait. Non, plus comme ça, tu vois, faut marquer un peu plus, hein? Ouais, mais là, je soupire! Ouais. Mais bonjour, alors comment vous vous sentez? No back to the episode. Et quand même, c'est... Franchement, Maya... Et Pearl qui serait avec la victime. C'est horrible. C'est horrible que tu y arrives à Pearl. J'en sais rien, mais ça c'est inquiétant. La cour, là où se trouve le meurtre... Aussi fragile. C'est le meurtre apparemment. Ouais, c'est ici. 8 février, tombe la Zakura à la cour. Grosse tache de sang. Et voilà le lieu du crime, monsieur. Nous avons enlevé le corps, mais nous n'avons rien touché d'autre. Merci, détective, je souhaite juste donner un petit coup d'œil. On dirait que la police continue son enquête. Ah, au fait, je préfère vous demander juste pour être sûr. Vous avez vraiment l'intention de détruire cette bonne sœur, Iris, demain au procès. Oui, j'ai donné ma parole et maintenant, je me dois de respecter mes engagements. Eh ben, dans ce cas-là, il vaut mieux que je fasse attention. Je ne dois pas divulguer d'éléments du dossier et de l'accusation, alors... Ne vous en faites pas pour ça, détective. Contentez-vous de fermer votre bouche et tout sortira naturellement. Bien reçu, monsieur. Je vous retrouve 5/5. Je crois qu'il a pas très bien compris. Très bien, détective. Par chance, un diarrhée verbale est incurable. Oh, c'est méchant. Parlons de la victime. Alors, qui était cette victime? La victime était la célèbre auteure de livres illustrés, mademoiselle Elise Donim. Son passé, avant que le prix lui ait été décerné l'année dernière, est un mystère. On a du mal à croire qu'il y ait encore des gens comme elle à notre époque. L'heure du décès est estimée entre 22h et 23h le 7 février. Hier, donc. Putain. C'est lui. Ouais. Excuse-moi. Elle est morte d'une hémorragie, poignardée dans un dos avec l'arme du crime. L'arme du crime? Elle a été retrouvée transpercée par un sabre géant, monsieur. C'est horrible! Ouais, il y a un truc qui me chiffonne. Qui le chiffonne, vous, lui? Quoi? Qui le chiffonne, lui? Je pense que j'ai pas compris, non, je pense que ta blague elle était pas drôle, je sais pas, mais... Bah, vas-y, continue. J'ai pas compris, j'ai désolé. Quoi? Le corps de la victime est couvert de bleu. Les bleus indiquent qu'elle a été chutée de l'équivalent du premier étage d'un bâtiment. Le premier étage d'un bâtiment? C'est-à-dire à la hauteur de la pièce que nous voyons... Non. C'est-à-dire à la hauteur de la pièce que nous voyons devant nous? C'est exact. Bravo, monsieur Hunter. C'est justement là que réside mademoiselle Elise Donim. On l'a peut-être défenestré avant de l'avoir pénardé. Ouais. Par rapport à l'autopsie d'Elise, à l'autopsie d'affaires. Ouais, en mode V6 Sparta. Ouais, un peu. Ouais, effectivement. Bah, coucou, ça fait. C'est plus... un dash rapide. Ce qui s'est passé. Bon, détective. Récapitulons ce que nous savons pour l'instant. Ok, je dois coder le plan. Voilà, regardez. Là, on voit quand même un truc qui ressemble beaucoup à un truc qu'on a vu avant. Ouais, vers quoi? Je vois pas du tout de quoi ça pourrait être. Je vois pas. C'est ça. Dans son témoignage, la sœur Bikini, la mère supérieure, dit qu'elle est allée, avec Maya Fey, au temple intérieur après dîner. À 22h, après avoir sonné l'extinction des feux, Iris est allée au temple intérieur. Quand elle est arrivée, Bikini lui a cédé sa place avant de retourner au temple Asakura.
C'est bien quand même, c'est des dessins, franchement, c'est des dessins, c'est, je trouve ça intéressant. Après, on m'a pris un bain chaud pour se laisser ton dos. Tu sors bikini, a vu le meurtre dans la cour. C'est horrible. Sauf que dans, sa, dans, sauf que dans, le, dans l'image qu'elle a, à qui est là, c'est pas Iris, mais c'est la statue qui tient la machine. Hmm. Étrange. Si vous voulez en savoir plus, demandez à Bikini dans le grand hall. On a déjà eu. Le temps est ailleurs, hein. J'aimerais en savoir plus sur cet endroit. Le procès demain. Le procès commence demain. Vous savez qui sera le procureur? Je crois bien que ce sera Godot, mais... Personne ne l'a pu le contacter et on cherche un substitut. Comment ça? C'est bizarre, mais brusquement, personne n'arrive à lui mettre la main dessus. Comme c'est étrange. Je me demande... non. Je me demande si les rumeurs sont bien fondées. Comme Monsieur Wright a la grippe et qu'il ne défendra pas, il s'en est désintéressé. J'ai l'intention de jouer mon rôle au tribunal, en tant qu'avocat de la défense. Cela étant, je ne me gênerais que si quelqu'un apprenait que je suis en fait procureur. Ouais, ça se comprend. Avec moi, vous n'avez rien à craindre. Le vrai problème, c'est le juge. Je crois qu'il me reconnaîtrait, même... Je crois qu'il me reconnaîtrait, même après une si longue absence. C'est pour ça, non. C'est pour ça que j'ai demandé que la justice soit confiée à un autre juge. La juge? Ouais, bah, ce qui me dérange, c'est que normalement, Hunter a quand même une sacrée réputation de procureur. Alors, même si c'est avec un autre juge qu'il a pas eu beaucoup, qu'il a eu qu'une fois, je vois pas comment ça peut passer comme une lettre à la poste. Ouais. Ça me dérange un peu. On ne s'est vu qu'une fois. Avec un peu de chance, ils m'auront oublié. Ouais, mais. Et le procureur? Tout le monde vous connaît dans le bureau du procureur, non? Si quelqu'un prenait la mèche, ça n'arrangerait pas vos affaires, hein? Pas de soucis. J'ai tiré quelques ficelles et je me suis arrangé pour choisir le procureur. Ouais, monsieur Hunter. J'ignorais que vous aviez une telle influence. Après toi, qui va être. Je me demande si ça veut bien être. Alors, peut-être. Moi, je sais qui c'est. On a qu'un qu'on connaît, en fait, finalement. Je sais qui c'est. Boulet. Ça sera. Boulet! Non. Et j'en suis sûr! Si c'est pas Boulet, je me pends! Non. On vous en dit quand même. C'est quoi cet emblée intérieur où s'en connaît Maya? Bikini m'a dit que c'est un vieux bâtiment qui sert à former les disciples. Et de l'autre côté du pont du Héron. Le pont qui a brûlé, hein. Il y a autre chose de l'autre côté du... Non. Il y a autre chose de l'autre côté du pont, à part le temple intérieur? Non, rien. Rien? L'autre côté est entouré de falaises. On dirait qu'une petite île là-bas. Donc il y a rien là-bas à part le temple intérieur. J'ai entendu dire que c'était pas le genre d'endroit où on aimerait passer nos vacances. Maya, pourvu qu'il ne te soit rien arrivé. Ah, parce que quand même, Maya, il la connaît. Attends, tu l'as déjà fait. Oui, non, je sais pourquoi. D'un mal appuyé. Voilà. Donc, bon, maintenant, examinons cette... Voilà, cette scène de crime. Par où tu veux commencer? La luge. C'est très intéressant, la luge. Ah, le ski, c'est super. Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Vous aimez skier? Pourtant, vous n'avez pas l'air du genre à... Et la luge, vous en... Non. Et la luge, vous en pensez quoi? La luge? Non, c'est pour les gosses. Et puis, ça casserait mon image de racuir. Une image de racuir? Faut dire aussi que t'avais peu aidé à la Justice for All pour essayer de récupérer des trucs liés à l'affaire de Killer, mais... T'es quand même bien tracassé la gueule avec un accident de voiture. Un dur à cuire quand même. Pourquoi vous dites rien, monsieur Hunter? Le monde devient fou ou quoi? Où tu vas aller? Ah tiens donc, qu'est-ce que c'est que cela? Ça? Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est suspect! Donnez-moi ça! Qu'est-ce que c'est? On dirait un bâton d'enchanteur. Il appartenait à la victime, mademoiselle Elise Donim. Il n'a rien d'étrange ou de magique. Par contre, il n'y a plus de boule.
Attends, sur sa photo. La photo qu'il avait. Oui, il y avait une boule, elle est pas là. C'est étrange, c'est étrange. Ouais. De l'améthyste. L'améthyste ? Oui, de l'améthyste, c'est une pierre précieuse violette. D'accord. J'aime bien la pierre. D'accord. Ah ouais, écoutez, rien contre nous. Rien contre nous, ok ? Ok. Oui, quoi ? C'est du top secret. On dit rien à personne. Allez. Promis. En vérité, quand j'étais de gamin, je voulais être enchanteur. Oui. Detective l'enchanteur. C'est tout ? C'était ça votre formation top secrète ? Ouais. Le bâton était taillé dans un bois particulièrement résistant. Et les empreintes ? Et les empreintes ? Il en portait ? La victime, oui, mais c'est tout. Maintenant, la victime a ajouté au dossier d'affaire. Ok ? Alors, ouais, on va voir. Le mur, c'est intéressant. Non, c'est surtout ce qu'il y a à côté. L'échelle ! Bordel ! Le portail principal, doit être juste derrière ce mur de pierre. Ah, les murs de pierre ! J'en ai escaladé un paquet quand j'étais jeune. La plupart m'ont laissé de bons souvenirs, mais pas tous. Détective, une personne vous oblige à commenter ce qui vous entoure. Ah merde ! Non mais une échelle quoi, merde ! Y'a une échelle, elle est pas... Non, attends, elle est pas active. Sérieux ? C'est pas juste ! C'est pas juste ! Bon, pour ceux qui se demandent, parce qu'il y a une grosse blague sur les échelles. C'est pas juste ! C'est pas juste ! Pourquoi nous l'avoir privé cette fois ? C'est injuste ! Ah mais c'est ça, hein, c'est un peu le truc. On va voir ce qu'il y a là, attends. Est-ce qu'on peut examiner ici ? On peut examiner ici, tiens, hop, voir. Parce que bon, le truc le plus évident, c'est au milieu. Ouais. On va éviter d'y aller tout de suite. Une lanterne, ils doivent allumer la nuit. La lueur d'une flamme a quelque chose d'élégant. Chaque fin de mois, j'aime me détendre dans ma chambre à la lueur des chandelles. Détective, vous n'avez pas le moyen de vous payer l'électricité ? Qui vous l'a dit ? Bon allez, allons-y, allons voir votre statue. D'ailleurs, on ressemble beaucoup à une autre statue qu'on a vue il y a un moment, non ? Hein ? C'est pas la statue qu'avait dans le truc de galerie de France. Oh mon dieu, c'est elle ! Oh my god ! Oh my... Je crois que c'est elle. Je crois que c'est elle, je suis pas sûr. Ouais. Donc, le sabre est statue en or et l'arme du crime. Ouais. Ils appellent ça un Shinshichito. Je le lis bien. Shinshichito. Ouais, mais t'as dit Shinshichito. Et en fait, c'est quoi la vraie prononciation ? Ça, j'en sais rien, c'est... Attends. C'est quelqu'un qui a l'information ? Shinshichito ! J'y arrive pas. Shinshichito ! Non. Mais je crois que quelqu'un me l'a dit, en fait, la vraie prononciation du Shinshichito. Putain, mais... D'ailleurs, si vous voulez l'information, donnez-moi. Donc. T'appelles ça un Shinshichito. Une arme très dangereuse, monsieur. Elle porte. Non. Elle porte encore des traces de sang. C'est le sang de la victime, je présume. Ouais. Elle a mon découverte. Et à propos de ça, la garde du Shinshichito est couverte d'empreintes digitales. Des empreintes digitales ? Évidemment. Elles correspondent à celles des empreintes de la jeune nonne, l'accusée. Ah. Oh. Bien empreintes sûr, sont sur l'arme du crime. Que se passe-t-il? Vous avez l'air bien sombre tout d'un coup. C'est toujours comme ça, Wright? Pour Wright. C'est ça être un avocat de défense? Ouais, j'imagine que c'est pas très plaisant. Franchement, j'ai pas l'impression que ce soit très bon pour la santé. Shinshichito a jeté au dossier de l'affaire. C'est tout ? La plaque de sang peut-être ? Ouais. Non, là, c'est la même chose. C'est la même chose. Et ça va être long. Non, ça n'est pas très long. Voilà. Bon, vas-y. Là-haut, là, le premier étage. Bon. Ouais. Non, c'était voilà. Le grand hall du temple Asakura se trouve juste au-dessus de nous.
Et c'est vrai, je suis sûr que le grand hall n'avait qu'un seul niveau. Le temple Asakura a été construit sur un flanc à pic de montagne. L'avant et l'arrière du grand hall ne sont pas au même niveau. Oh, c'est logique. Il aurait pendant été plus facile de construire l'édifice en penché, non? Ne me dis pas qu'il est sérieux. Bah, je pense qu'on a plus rien à faire. Je crois qu'on a rien oublié. Donc je pense qu'on peut se déplacer. Peut-être aller voir l'arme du crime. Présenter l'arme du crime peut-être. Le Shishito. Tout ça pour représenter les multiples brides de la vie, culminant en un point unique. Première nouvelle. Vous savez à quoi je pense parfois? Quelle aurait été ma vie si je n'avais pas été entré dans la si je n'avais pas rentré dans la criminelle. Alors même vous, vous pensez à des choses comme ça, hein? Bien sûr, et pas qu'un peu. Agent de la circulation, officier carcéral, lutin bleu. Lutin bleu. D'ailleurs, ça franchement, je serais bien mort en train de me faire. Quoi? C'est parce que, tu sais, la musique de base, ça va être I want to defend. Que j'imagine le truc. I want to defend everyone, everyone that is. Un truc à la con. Un jour je le ferai. Pourquoi j'ai envie de le faire. N'empêche, il y a seulement l'histoire détective qu'on sait pas quand il s'est retrouvé inspecteur, lui. Hein, on sait pas, lui, on connaît pas son histoire. Je veux une spin-off détective. Bah, tu le sais déjà dans. On sait comment il a rencontré Hunter, mais pourquoi il est devenu inspecteur et tout, je crois pas. Non. Bon. Mais lutin bleu, ce serait drôle. Alors, lutin bleu, c'est lui qui l'a créé finalement. Ah oui. Bref, n'importe quoi tant que c'est dans la police, effectivement. Et logiquement, il devrait gagner beaucoup d'argent, détective. Il aurait gagné beaucoup d'argent parce que il a vendu la. Parce que bon, c'est lui qui a créé le lutin bleu et du coup ils s'en sont servis pour un parc d'attractions. Donc il devrait quand même avoir de l'argent. Ouais. Oh. Donc arrête de te plaindre. De quoi? Non, c'est un tech-tip que je parle. Arrête de te plaindre de ne jamais avoir assez de sous. Ah, mais c'est ça, hein. Pour un salaire de misère, hein. Oh, je crois pas vous l'avoir déjà dit, mais. Pour tout vous dire, quand j'étais gamin... Ah, oh, ça recommence. Vous voulez devenir enchanteur, c'est ça? Ça alors, comment vous avez deviné? Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'aurais été un bon enchanteur, un bon enchanteur. T'es qui, va pas remettre ça? À part autopsie? Ah, ça se trouve, il est pas à jour. Écoutez, inspecteur. Alors, ne posez pas des questions aussi compliquées, d'accord? Il n'y a pas quoi être clair, Takim. La météo? Non. Là, juste un truc, s'il y a un truc qui peut être compté. Non, vas-y. Bah, comment il serait, de toute façon, ça Non, je pense qu'il n'y a rien. Mais on va tout voir, il y en a 4 donc. Je pense que c'est bon pour Teddy, on va se déplacer au grand hall. Il y a toujours. Hall. Hein, on peut peut-être lui montrer. On n'a pas de. On a Viropsyché chez. Qui serait temps d'aller voir les Viropsyché? Oula! 8 février, temple Asakura, le portail principal. Je ne vois pas nulle part. Peut-être qu'on lui a fait peur! Son cœur était fermé par un puissant bureau psycho. Il vaut mieux que j'aille le chercher. C'est le boulet celui-là. On va. Il n'y a pas de truc. Bon, c'est suspendu. Pour le psyché de Iri, je pense qu'on a rien par contre. Pour l'instant. Ah, faudrait juste. Ah. Attends, retourne voir Pikini. Attends, je vois un truc. Je vois un truc ici. Ah oui, c'est vrai. Il y a une petite cabane par là, le hall divin. Une cabane? Une cage à lapin en ruine pour les ratés qui craignent les tout courants d'air. En fait, ça me rappelle mon appartement.
Le nom Hall Divin représente plutôt un palace. Donnez à Tony un nom aussi prestigieux frise à la publicité mensongère. Au fait, mon appartement est situé au cœur du Tony sous-bois. Tony sous-bois. Je ne trouve pas ça génial. Non. Je ne trouve pas ça génial comme nom. Ben, c'est-à-dire que l'appart n'est pas génial non plus, non mais monsieur. Et là, on va voir un truc sur Hall Divin. Non. Peut-être. Non. Bon, retourne voir Bikini. Parce que bon, tu peux peut-être lui montrer la canne et, ouais. Et l'arme du... Oui, peut-être. Effectivement. La canne. Le bâton de la victime. Que dites-vous de ça? Ah. Faites-moi voir. Eh bien, comme vous le savez sûrement, pour dévoiler la réalité telle qu'elle est, nous devons briser le lien qui nous attache au monde éphémère et matériel. Appelez-moi Immaterial Curl, si vous voulez. Elle doit être une botte de la Madone. Madonna. Bon bah, l'arme. Ça a marché. Non, elle dit rien. Elle dit... Ah. Elle sait rien. Elle sait que dalle. Moi, je pense qu'il faudrait voir. Thierry, c'est bon. Peut-être, je vois. Peut-être. J'ai envie d'aller voir Kiris, hein. Ouais. Voir ce qu'elle pourrait faire en psycho verrou. On va aller voir. Allez, sans de rétention. Attends, juste avant, tu devrais lui présenter. Ah ? Ah non, ils vont dire qu'elle est pas là. 8 février, sans détention, le parloir. Ah, elle est là. Ah ! Ah ! Ah ! Monsieur Hunter ! Je suis revenu car j'ai encore quelques questions à vous poser. Mais je vous ai déjà dit tout ce que je sais. Iris, je vous en prie, souvenez-vous. Je suis votre allié, vous pouvez tout me dire. Oui, oui, merci. Attends. Tombe à ah, intéressant. Allez, dis-nous tout. Je viens de parler à la mère supérieure du temple Asakura. Elle a témoigné très clairement de ce qui s'est passé. Elle affirme que vous avez vu sabrer Mademoiselle Elise Donim. Et ce n'est pas tout. Elle dit que quand Maya Fey a commencé son entraînement au temple intérieur, vous étiez bel et bien présente. Quoi ? Lors de notre dernière conversation, vous avez dit n'être jamais allé au temple. Et pourtant, Sœur Bikini affirme que vous y a vu, qu'elle vous y a vu cette nuit-là. Je n'y ai pas mis les pieds. Je ne suis pas allé au temple intérieur hier soir. Elle n'est visiblement pas disposée à avouer la vérité. Je me demande si j'aurai les réponses à mes questions en brisant ces verrous psychos. Donc ouais, je pense qu'il faut aller vraiment... Si nous dit clairement qu'il faut aller briser les verrous psychés, bah, c'est quoi, attends un peu, il me semble qu'il se passe un truc si tu lui montres le voile. Quoi ? Ah, il me semble. Ça s'appelle un voile anti-démon. Je l'ai donné à Monsieur White hier soir. Il le portait quand je l'ai vu aujourd'hui, à l'hôpital. Cet objet important protège les disciples des mauvais esprits. Pourquoi lui avez-vous donné si c'est si important? Hier soir, j'ai senti quelque chose. J'ai senti que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Je ne voulais pas que Monsieur White tombe dedans. Eh bien, il a fini par tomber dans quelque chose d'encore plus froid et plus profond. Mais vaut mieux ne rien mentionner. Heureusement, j'ai mon monologue intérieur. Allez, passons au verrou. Donc y'a rien du tout. Allez. Agamemnon, time. On sort. Exact. Le verrou psyché, j'ai eu peur. J'ai été chargé de l'affaire et c'est à moi de trouver des réponses. Vous comprenez? Oui, monsieur. La plus petite flamme peut parfois révéler une affaire sous un jour nouveau. Je ne compte plus le nombre de fois où ça s'est produit, de mes yeux au tribunal.
C'est pour cela que je continuerai à chercher jusqu'à ce que je découvre toute la vérité. Pour la dernière fois, êtes-vous sûr de ne pas être allé au temple c'est hier soir? Oui, je jure, je vous le jure, je vous l'ai déjà dit. Oui, vous avez dit ne pas être allé parce que vous aviez peur. C'est exact. Mais si vous dites la vérité, la question qui s'impose est de quoi aviez-vous si peur? Iris, je me disais, c'est ça qui vous effrayait au point de vous faire rester un peu dans notre chambre. Peut-être Phoenix Wright, non. La foudre? Ah non, elle a pas vu la foudre, je crois. Hein? Je crois, oui. Avoir peur de la foudre. Oui, je crois pas que ce soit lié à la foudre pour elle. Et... Non, c'est avec Phoenix Wright, je sais pas. Non, je crois pas que c'est le fait qu'il y ait Phoenix Wright, je crois pas que c'est ça qui... Dans le bulletin VTO, parce que je vous dis la foudre, point. La foudre lui fait peur, effectivement, elle va rester dans le bâtiment. Dans ma tête. Non, c'est pas ça. Vous avez peut-être peur de ceci, eh bien... Je suis désolé, mais vous avez tort. Hein? Pourquoi votre voix tremble-t-elle comme ça? C'est juste que... vos yeux... ils me font peur. Ah! J'ai peut-être poussé le coup du bluff un peu trop loin. Vous pouvez m'excuser, je ne suis pas habitué au rôle qu'on m'a attribué. Non, c'est à moi de m'excuser d'être aussi peureuse. Mais en soi, je suis plus que jamais déterminé à trouver les mystères. Mais je n'arrête pas de vous le répéter, j'ai passé la nuit dans ma chambre. Si vous dites la vérité, la question qui s'impose est de quoi j'ai eu aussi peur. Iris, je me disais, c'est ça qui vous fait rire au point de vous faire rester dans votre chambre. Hein? Allez, vas-y. Non plus. Ah, c'est pas ça. Bon. Alors, je pense qu'on a rien. Hein. Pourquoi on a rien? On va avoir peur de la photo d'Élise. L'arme du rhume, je crois pas. On a rien, mais pourquoi on a rien? Je vais voir s'il y a encore un truc qu'on peut faire en investigation. Ouais, bah on retourne au pont suspendu. Non, mais on lui a déjà présenté tout ça tout à l'heure. Sauf que là, il est dans un lieu différent. Pas le hall divin, quoi. C'est embêtant. Alors, il manque un truc dans la cour? Ouais, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas regardé? Qu'est-ce qu'on n'a pas regardé? Les skis, on a vu. Ah, attends, ça y est, je me rappelle. Je me souviens où il faut aller. Je viens de m'en souvenir. Vas-y. Va dans le grand hall. Et regarde les coussins. Non, voilà, il y a un bout de papier là. Ah! Ça y est, je m'en suis souvenu d'un coup.